Mais Superman, on s'est désolidarisé complètement de sa machine. Il écarte les bras et repart sur une autre rampe maintenant. En cascade take-off. Airplane, c'est bon ça, c'est passé pour Tom. Le mini jump, 40 secondes encore. Ainsi que Gramwenen, c'est passé pour Tom, impeccable. Allez, le run final de Tom Pagès en direct sur MCS Extreme. Oh, superbe ici, Flatliner et clear. La moto est complètement à plat. Allez, il reste 17 secondes exactement, 15 secondes pour Tom. Le temps de faire 2 sauts supplémentaires. Ainsi que Gravindy. C'est bien posé, il va tout de suite, très très vite maintenant, sur le quarterpipe qu'il a construit de ses mains, Tom Pagès. En finale ici, à Munich, pour le flair. Et ça passe. Il n'est pas tombé, il est sur ses roues. Tom Pagès a réalisé le run parfait. Un run unique au monde, ici, à Munich. Il est sur une autre planète, il nous a emmenés avec lui ce soir. Tom Pagès, merci, bravo, c'est exceptionnel. L'émotion, les sensations sont là, le public est debout, tout le public de Munich est debout pour ovationner notre Français, Tom Pagès. C'est juste beau de voir évoluer le freestyle comme cela. Dani Torres ne peut que le féliciter, que l'encourager. On s'est dit, Tom, il avance cette année. Il nous amène des nouvelles figures. Mais Tom, il n'avait pas encore réussi à s'imposer, à aller encore plus haut, plus loin. Ce soir, c'est peut-être son soir. En tout cas, on croise les doigts. J'espère que les juges, eux aussi, vont l'avoir compris. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est avancer dans la discipline, c'est faire avancer son sport, c'est avancer dans l'histoire, et cette étape de Munich, on s'en rappellera. Le folk ici, au ralenti de Tom Pagès, qui l'enchaîne à regarder avec ce cliffhanger, il le sait, il est content, les deux grosses figures de son début de run sont passées à la perfection. Il a tout fait, Tom, avec ce regard, on avait vraiment l'impression dès le début de son run qu'il partait pour gagner. Et c'était positif, il a eu du plaisir, un vrai vrai plaisir dans son run, un vrai plaisir sur ce parc. Et c'est ce qu'on aime voir, il a été au bout pour gagner, il a été au bout pour faire avancer sa discipline, c'est ce qu'il voulait. Il l'avait dit juste avant, il donne tout, et ce soir Tom, regardez, il s'est rattrapé, rien ne pouvait l'arrêter ce soir. Il a gardé sa machine entre les mains, sur ce superbe flair, énorme. Allez, une petite hésitation sur la fin, et on ne peut que le féliciter, puisque ces trois runs ont été parfaits, il avait passé deux flairs juste avant, sans aucun souci, là c'est, allez on va dire, la petite excitation, le petit énervement de la finale, la petite pression qu'il y avait. Mais regardez, il a été au bout sans chuter, il a tenu sa machine. La variété, c'est pour Tom Pagès. Un premier point, un premier casque. L'exécution, c'est pour Dani Torres. Il y a un demi-point qui est séparé. Le style, c'est pour Dani Torres. Aïe, 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 aïe. Attention. Je vous ai dit, on a les meilleurs pilotes du monde cette fois-ci dans cette finale. L'utilisation de la piste. Et là, il a été intelligent, Tom, il a été partout. C'est Tom Pagès. Deux. Suspense au maximum. Est-ce que Tom Pagès va être le premier Français à remporter une épreuve des Red Bull X-Fighters? L'énergie est là. Et là, si vous avez, vous aussi, sentez cette émotion, si vous vous êtes levé de votre canapé, les juges aussi. Tom Pagès remporte pour la première fois de l'histoire une épreuve des X-Fighters, pour la première fois de la carrière de Tom. C'est une victoire sur les X-Fighters, il la mérite. Pour la première fois, un Français s'impose sur les X-Fighters, c'est lui. Tom Pagès, exceptionnel. Il nous a emmenés sur sa planète.